Junior là étant, son entraîneur parle de son probable départ, bien sûr, de New York. Trop de gonfles autour dans ce transfert. Je vous ai parlé, donc abonnez-vous. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Dans le monde, ici, on décortique l'actualité du football béninois à travers nos news, nos flashs ici. Vous voyez, dans cette news, on va parler de Junior Olaitan. Olaitan, vous savez, il évolue de l'autre côté de New York. New York est descendu en national. Et le joueur a eu beaucoup de propositions à gauche et à droite. Est-ce qu'il va partir? Partira-t-il? Partira pas? Restez scotché du début jusqu'à la fin. Avant de décortiquer ce sujet, avant d'aborder ça, je vous prie bien sûr de partager cette grosse opportunité. L'opportunité, c'est quoi? Je vous propose bien sûr quelque chose. Vous voyez, le chômage n'existe plus aujourd'hui. Si vous avez une chaîne YouTube, vous pouvez déjà en vivre. Si vous voulez monétiser cette chaîne YouTube, contactez-nous via le plus 229 53 63 87 30. Là, vous pouvez bien sûr monétiser votre chaîne et bien sûr, YouTube va vous payer de l'argent à la fin de chaque mois. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez plus à tendre la main à quelqu'un. Donc, prenez rapidement votre monétisation. On est en promotion actuellement. Les prix sont divisés, fracassés. Vous pouvez, même si vous avez déjà un boulot, vous pouvez avoir ça comme revenu complémentaire et tout et tout. Maintenant, si ça y est, des publicités, tout ce que vous voulez, on s'occupe aussi de ça sur cette chaîne. On va faire votre pub. Ou bien, si vous voulez être à la lumière, si vous êtes un footballeur, vous avez besoin de lumière, ou bien un club ayant besoin de la gestion, bien sûr, de ces canaux digitaux, on est présent. À présent, le dossier Junior Olaitan. Suivez l'élément témoin et famille. Le nouvel entraîneur de New York, Philippe Inchbenger, évoque un éventuel départ de Junior Olaitan, alors que plusieurs sollicitations se font au sujet du milieu de terrain béninois. L'entraîneur dit ceci: c'est un joueur qui est amené à être courtisé, mais pour l'instant, il est là. Il s'entraîne avec un bon état d'esprit. Ce que j'ai dit aux joueurs susceptibles de partir, c'est que moi, je comprends très bien leur situation. Mais après, pour l'instant, vous êtes là. Donc, vous vous entraînez. On sait que cela peut bouger sur trois joueurs. On estimera au cas par cas si on a besoin de recruter pour compenser ces départs. Tu as aussi des joueurs de Ligue 1, Ligue 2 qui ne jouent pas et qui pourraient, pourquoi pas, nous rejoindre en fin de mercato estival. Et oui, vous avez entendu les propos de l'entraîneur de New York, comme quoi le joueur, bon, jusqu'à présent, est-ce qu'on va le transférer? Est-ce qu'il sera toujours à New York? Est-ce qu'il sera transféré? Il y a encore de flou autour de ce dossier et bon, l'Estac, c'est-à-dire 3 Hauts de Champagne, veut réellement de ce joueur, 3 qui évolue en première division. Vous voyez, 3 aussi a connu des moments sombres, maintenant il veut recruter parce que 3, actuellement il y a des milliardaires qui ont ce club-là et c'est un peu comme les clubs de City là, c'est les mêmes propriétaires pratiquement, les cousins, vous voyez, ils ont des filiales même en Angleterre, tels que Newcastle et tout et tout. Ouais, en France, c'est 3 qui représentent bien sûr la filiale de City. C'est pourquoi les recrutements sont très très pointus. Ils ont un peu d'argent et ils ont besoin de Junior Olaitan. Mais à une certaine période, Nior a mis son droit de veto. Nior a refusé que le joueur ne parte. Parce que quand vous descendez à National, il y a des joueurs qui ont envie de partir, des joueurs qui sont cotisés à gauche et à droite. Et il y a des clubs qui sont très 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 stratèges. Et ces clubs-là veulent avoir ces joueurs-là rapidement, rapidement. Donc, Junior Olaitan est dans ce cas et vous voyez, ce qui se passe maintenant, c'est un peu dommage parce que vous voyez, ils ont tout fait, ils ont remis le dossard 10 à Junior Olaitan parce que bon, ils ont vu qu'il aime un peu le dossard 10 pour le cajoler. Après, c'est pour lui donner le brassard. Bon, est-ce que Junior Olaitan fera une très grosse saison? Bon, j'ai lu un peu les commentaires sur les réseaux sociaux. Bon, les gens disent quoi? Troisième division, c'est pas bon pour lui. Troisième division, la division, elle n'est pas bonne pour lui. Qui a ramené le club en 3e division? Junior Olaitan était dans l'effectif qui avait joué la saison antérieure. Ils sont descendus. C'est pas que Junior Olaitan a signé dans un club de 3e division alors qu'il a quitté 2e division ou bien. Non, les contextes, ce n'est pas les mêmes. Il était dans ce club-là quand le club est descendu. Maintenant, s'il choisit de quitter de manière ingrate, ce n'est pas du tout bien. Donc, dit que Junior Olaitan, il est en 3e division. Non. Junior Olaitan a quitté le Bénin camp. Ça n'a même pas encore fait 2 ans. Maintenant, pourquoi on est pressé de voir Junior Olaitan jouer en Ligue 1 française en première division? Moi, je ne vois pas pourquoi on est pressé. Hein? On doit se calmer. Même si le joueur fait une saison en national, on peut, bon, toutefois, lui trouver un autre point de chute. Sinon, ce serait ingrat, hein, envers ton club. Quand le club est descendu, toi, tu es parti. Vous voyez?
Donc ceux qui sont en train de dire que 3ème division, c'est pas bon pour lui. Bon, il mérite la Ligue 1 française. Ouais, jouer en Ligue 1, vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez qu'on débat actuellement, on ne commence pas à jouer en Ligue 1 française comme ça? Non. Non. Jouer en Ligue 1, Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'est-ce que Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a fait? Est-ce que Allah étant a aujourd'hui le niveau pour jouer en Ligue 1? Vous voyez que c'est facile, mais ce n'est pas facile. Allah étant n'a pas encore le niveau pour jouer en Ligue 1 française. Je pèse bien mes mots. Allah étant, c'est un bon joueur de 2ème division en France. Pour le moment, je pèse bien mes mots parce que le joueur, il va grandir. En Ligue 1, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Allez poser la question à Joseph Dessous. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas qui veut, qui joue en Ligue 1, mais qui peut. Allah étant n'a pas encore le niveau pour jouer en Ligue 1 française. Je peux mettre mon doigt dans le feu pour ça. Donc soyez patient. Soyez patient. Et Allah étant jouera. Vous voyez. Il trouve un autre club de son niveau. Non. J'ai dit que c'est un bon joueur de 2ème division. Le club que Allah étant peut trouver maintenant, c'est jouer en 2ème division française. Turquie, Allemagne, ouais. Maintenant, si toi arrives à bien sûr enrôler le joueur, c'est bien. Si. Il faut que les clubs aussi montrent leur réelle intention d'avoir Junior Laitan. Il ne suffit pas de dire que le joueur peut partir. Bon, Junior Laitan est haut. Junior... Non. Est-ce que les clubs nourrissent de réelle envie de recruter Junior Laitan? C'est là la question. Est-ce qu'il y a de réelle envie de recruter Junior Laitan? Chacun se lève et on dit ce qu'on veut. Bon, Junior, moi je veux le voir en Ligue 1, moi je veux le voir en Ligue 2. Non, voilà, voilà les déclarations de son entraîneur. Il y a même des joueurs de Ligue 1 qui ne sont pas retenus, des joueurs qui n'ont pas de club, ben, qui auront envie de jouer en national, c'est-à-dire en 3ème division en France. Le coach a été clair, il a été très clair. Donc, à des moments donnés, il faut qu'on se concentre, on se calme. Il faut qu'on se calme. Junior Laitan n'est pas encore un joueur de la Ligue 1 française. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Bon, je sais qu'en commentaire, ça va jaser. Les gens vont dire ce qu'ils veulent. Les gens vont faire leur analyse par-ci, par-là. Mais moi, je donne mon avis. Ici, c'est ma chaîne. Bon, pour ceux qui viennent aussi pour me donner des leçons sur ma chaîne, je n'ai pas besoin de vos leçons. Allez créer vous-même vos chaînes et donnez vos avis. Et faites des vues, des abonnés, faites tout ce que vous voulez. Vous pensez que animer une chaîne YouTube, c'est de l'amusement? Vous pensez? Donc voilà ma réaction que je tenais à partager avec vous. Je dis, voilà, étant, il va jouer en national. Il va jouer en national en 3ème division. Mais maintenant, si toi, les stacks arrivent, je suis à l'enrôler, c'est quelque chose de bien. J'espère que vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi. Ciao, ciao. Bye.